voici le stand de Yamaha, relativement grand stand avec une partie centrale de ce palais en tout cas. Au rayon des nouveautés pour 2012, on retrouve côté cross, du moins enduro, une WR450F. On ira voir une nouvelle YZF R1, un nouveau quad également, toujours côté cross, une YZ450, un scooter, le Xenter 125, et alors la grosse nouveauté chez Yamaha, donc ce nouveau T-Max. Ah, donc nouveau T-Max qui vient bien à point car il devra faire avec la concurrence de chez BMW qui eux aussi sortent deux nouveaux scooters qui vont directement venir concurrencer ce nouveau modèle. Voici le Xenter 125 de chez Yamaha. Et comme vous pouvez le constater, c'est un plancher plat, ce qui est relativement pratique pour mettre les pieds. Grande roue. Et une selle relativement basse. Les nouvelles R6 et la nouvelle R1. Alors les voici, ces fameuses VMAX, elles n'étaient pas à Milan, non, elles n'étaient pas à Milan, elles étaient apparemment réservées pour Paris. Donc les VMAX, modifiées donc, par les plus grands tuners du monde. Voilà, ça c'est la version vue par Roland Sands aux États-Unis. Forcément la version française donc vue par Lazareth. Comme on l'avait vu sur la première photo, très très gros travail, très très grosse modification.
l'espace course de chez Yamaha. Cette moto inscrite au Dark Talk Moto Tour.